Can enter the kingdom of God ne peut rentrer dans le royaume de Dieu unless s'il n'est he's born né out of water and spirit. Et d'esprit. This is what Jesus says. C'est ce que Jésus a dit. Jesus commanded us to repent. Jésus nous a ordonné de se repentir. But he has also commanded us that we need to be born again out of water and spirit. Et il nous a aussi demandé d'être baptisés d'eau et du Saint-Esprit. This is what Jesus said. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Jesus, the Lord, did everything on his side. Jésus a tout fait de son côté. Save pour nous sauver. And he has his hand reaching out to you. Et il a fait en sorte de vous atteindre tous. And to do so. Et pour faire ainsi. First of all, premièrement, you need to repent. Vous devez vous repentir. When you repent, quand vous vous repentez, where you turn away from your sin, quand vous vous détournez de vos péchés, and you turn to God, et que vous vous tournez vers this Dieu, is where God comes. C'est alors que Dieu vient. He takes the stone heart away, il enlève ce cœur de pierre, il le met loin, and he gives you a new heart, et il nous met un cœur de chair, a heart of flesh. Un cœur de chair. This new heart makes ce nouveau cœur that you don't have desire to continue living in sin. Vous permet de ne plus justement retourner dans ces désirs. That you have now a new desire. Maintenant, vous avez des nouveaux désirs. To get to know him. De le connaître. The new heart makes. Le nouveau cœur vous permet. That you start to hate. Vous permet de détester. What God hates. Ce que Dieu déteste lui-même. And love. Et aimer. What God loves. Ce que Dieu aime. But the second thing, mais la seconde chose, what you need to do, que vous devez faire, you need to get baptized, vous devez être baptisé, to bury your old life, pour enterrer votre ancienne vie. So when you get baptized, quand vous êtes baptisé, you die with Christ, vous mourrez avec Christ, and you rise up with Christ, et vous ressuscitez avec Christ. C'est Seigneur, vraiment, c'est tout ça que je laisse ici. Et donc, je me suis assise dans l'eau du baptême. Et elles ont commencé à prier. Donc, elles m'ont dit, c'est justement ces paroles. Edwige, tu meurs avec le Christ et tu ressuscites avec le Christ. Et j'étais plongée dans l'eau. Et quand je suis remontée, eh bien, j'avais l'impression de vivre un arrêt dans le temps. Il y avait... C'était silencieux, mais ensuite j'ai commencé à me sentir très mal. J'avais beaucoup de peur. Je peux difficilement dire exactement, mais j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à...
Il y a beaucoup de choses en fin de compte. Il y a ce dont j'ai connaissance, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a toutes ces choses dont j'ai pas connaissance, mais qui agissent un peu comme les personnes, vous voyez, un peu les marionnettes. Donc je suis la marionnette et on tirait mes ficelles. Donc toutes ces choses dont je n'avais pas conscience, mais qui agissaient dans ma vie. À un moment donné, eh bien, il y a une dame qui a eu cette parole où elle me rappelait que le Seigneur m'aimait. Et là, j'ai commencé à ressentir de l'apaisement. J'ai commencé vraiment à être beaucoup moins crispée, à être beaucoup plus en paix. Et j'ai eu l'image du Seigneur qui me serrait dans ses bras. Et à un moment donné, il m'a dit « Maintenant, on sort ». C'est en esprit que j'ai vu ça, et je l'ai vu passer devant moi, il me tenait la main et « On sort maintenant ». C'est une nouvelle vie en lui. Il n'y a plus de péché entre lui et moi. Il n'y a plus rien qui me sépare de mon Seigneur. Et donc, je me sens, enfin, je ne sais pas comment dire, mais je me sens libre de tout péché. Et je sais que dans cette marche, je ne suis pas toute seule. L'Esprit Saint est avec moi et il me guide. Je l'entends aussi beaucoup plus clairement, alors que quelques temps avant, c'était un peu... Il y avait du, comme on dit, du grésillement sur la vie. Les images étaient floues, mais ici, c'est... Je sens vraiment un nouveau départ. Et donc voilà. Quand j'ai pris conscience qu'il fallait que je me repente, c'est à ce moment-là que j'ai pleuré surtout. Enfin, avant, on devait justement prier, on a prié justement pour tous les péchés passés. Et là, le Seigneur m'a vraiment visité avec puissance. J'ai vraiment eu cette repentance qui est venue, les pleurs, vraiment les pardons sincères à Dieu. Et au moment du baptême, le plus merveilleux, c'est que quand je suis rentrée dans les eaux du baptême, ils ont dit « Meurs avec le Christ et ressuscite avec le Christ ». Et là, c'est comme si toute cette vie que j'ai vécue, tous les péchés que j'ai vécus, c'était effacé. C'était effacé. Quand je suis remontée à la surface, j'étais plus la même. En fait, c'est comme si tout ce qui était là, qui m'empêchait d'être moi-même, est resté dans l'eau. Quand ils ont commencé à prier, qu'ils ont commencé à chasser, parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se remonter. Donc c'est toute la douleur, je ne sais pas ce que c'était, mais quoi qu'il en soit, c'était toutes ces années passées où ma vie était parsemée de blocages, parsemée de choses qui me gardaient encore prisonnière. Et là, ça a été cette délivrance. J'ai vraiment senti comme... j'ai hurlé dans l'eau. J'ai vraiment sorti comme un... Et puis là, quand c'est sorti, là, j'étais l'impression d'être légère, de plus à ressentir cette pesanteur de culpabilité. J'étais plus la même. Je ne suis plus la même, ça c'est certain. Je me sens maintenant vraiment enfant de Dieu, sans aucune condamnation sur moi. Vraiment. En fait, ce que j'attendais toujours, cette liberté d'enfant de Dieu, c'est ça en fait, vraiment, vraiment.